Notre prochain invité nous vient de la... Ben pour des gens comme moi, de la mère patrie, comme on appelait quand on était jeune, il vient de la France. Marcel, bienvenue à la FTQ. Vous pouvez l'accueillir. Merci, Michel. Merci beaucoup de m'accueillir et merci beaucoup de me donner la parole dans une matinée que je considère assez exceptionnelle dans la vie d'un syndicaliste. Je me rappellerai de ce congrès de la FTQ et de cette matinée. Au printemps dernier, notre président de la République, Nicolas Sarkozy, nous a annoncé qu'il allait engager une réforme des retraites. Il décide d'en faire un enjeu politique. Il affirme que s'il décide et s'il impose une réforme difficile, ça démontrera qu'il est un bon président de la République et qu'il pourra se faire réélire en 2012. Pour bien se comprendre, par exemple, un salarié qui a commencé à travailler à 18 ans chez nous, avec la réforme, on va lui demander de travailler 2 années de plus. Par contre, pour un travailleur qui a commencé à 22 ou à 24 ans, on ne lui demande rien de plus. Même chose pour une femme qui s'est arrêtée de travailler afin d'élever ses enfants. Elle attendait 65 ans pour partir en retraite sans décote parce qu'il lui manquait des années. Dorénavant, elle devra travailler jusqu'à 67 ans. Fondamentalement, nous avons un système de retraite qui est basé sur la solidarité entre les travailleurs et entre les générations. Et nous sommes face à une réforme qui renverse la solidarité, puisque ce sont les travailleurs qui ont débuté jeunes, ceux qui ont les métiers pénibles, ceux qui connaissent la précarité, les mères de famille très nombreuses à avoir une carrière interrompue. Ce sont tous ceux-là qui sont mis à contribution pour financer la retraite des autres. Partout dans le monde, beaucoup de gouvernements adoptent des politiques d'austérité, réduisent les protections sociales, tout en favorisant les hauts revenus, en sanctionnant les travailleurs qui sont les plus en difficulté. Et c'est bien cette situation-là qui a fait que nous avons réussi en France des mobilisations de grande ampleur. Si la mobilisation était importante, ça n'a pas empêché le gouvernement d'imposer sa réforme. Mais je suis frappé, j'ai été frappé hier en vous entendant. Quand vous parlez de la santé, quand vous parlez du développement économique, de la prise en charge des personnes âgées, de la vie au travail, je suis frappé de voir combien les constats, les réflexions, les défis à relever, ceux que vous posez, sont très semblables à ceux que posent chez nous nos délégués. La situation, finalement, en France et au Québec est très semblable et plus largement ressemble aux défis que nous rencontrons partout dans les pays développés. Je suis convaincu, plus que jamais, que le syndicalisme est le meilleur garant de la solidarité et de la démocratie. Et je souhaite à tous les syndicalistes de la FTQ plein succès dans les combats que vous menez. Je vous souhaite aussi beaucoup de détermination, vous le savez aussi bien que moi. Nos combats sont des combats justes, mais sont des combats de longue haleine. Vous avez toute l'amitié de toute la CFDT. Bon congrès. Merci. Merci Michel. Merci. Je voudrais vous présenter notre prochain orateur que plusieurs d'entre vous connaissent, c'est Robert Laplante. Robert est un sociologue, journaliste québécois, qui est également directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Je suis heureux et honoré d'être là. La concurrence des pays émergents, la délocalisation des entreprises, la multiplication de crises sectorielles graves comme celles qu'on connaît dans la forêt, comme celles qu'on a connues dans l'automobile, comme celles qu'on connaît encore dans le secteur des raffineries, tous ces problèmes ont affecté très durement des catégories entières de travailleurs, ont déstabilisé certaines économies régionales et ont rétréci les perspectives. Mais nous ne tenons pas suffisamment compte d'une donnée clé qui est essentielle pour affronter l'avenir, c'est la base énergétique. Nous sommes dans la position à la fois très confortable et très périlleuse de posséder un immense trésor de ressources naturelles
Et il y a donc beaucoup de gens qui reluquent notre patrimoine. Parce que c'est une source importante de revenus pour l'État, une source que nous négligeons, nous vendons à vil prix des ressources convoitées, et en faisant cette vente de feu, nous réduisons la capacité compétitive de notre économie. Nous avons un virage à faire et il est urgent. Dans l'éolien, on va les passer tout en revue, vous allez voir que le portrait est saisissant. Le plus grand gisement éolien d'Amérique du Nord, il est ici. Il est situé dans le Moyen-Nord. On n'aurait pas voulu faire exprès que ce ne serait pas arrivé mieux. Il est près des lignes de haute transmission. Et le grand potentiel éolien du Québec, c'est 100 fois le potentiel installé d'Hydro-Québec. 100 fois! C'est gigantesque. Dans l'éolien, c'est après que les éoliennes sont installées que l'effet économique est le plus structurant. Il y a des milliers et des milliers d'emplois pour les régions, pour les ouvriers, pour les techniciens du Québec. Le potentiel de la biomasse est gigantesque. La forêt boréale est une des plus riches forêts du monde. Son rendement énergétique est deux fois plus grand que celui des sables bitumineux. Il y a quand même une limite à toujours se voir comme des titelins, là. C'est énorme, ce potentiel-là. Le solaire. Le solaire, c'est une ressource nordique. Imaginez, les spécialistes estiment que si on avait une superficie équivalente à 1 % du territoire répartie de n'importe quelle manière sur le territoire, on aurait deux fois le potentiel installé d'Hydro-Québec. C'est gigantesque. La géothermie, c'est le parent pauvre. On a très, très peu d'expériences de géothermie qui sont porteuses, et pourtant, il y a là des ressources qui sont utilisées par des économies comparables à la nôtre et qui se développent à vitesse grand V. Enfin, en agriculture, il y a une énorme possibilité avec les plantations énergétiques. J'y reviendrai tantôt. Tout ça pour dire que nous pouvons, sur l'ensemble des énergies renouvelables, compter sur plusieurs combinaisons. Nous avons d'énormes ressources. Ce n'est pas vrai que nous sommes cassés. C'est faux. Nous jouons mal de nos atouts. Il n'en tient qu'à nous. Nous pouvons véritablement faire lever des alternatives pour le 21e siècle. Nous pouvons nous donner les moyens de faire servir nos besoins au développement d'une prospérité pour l'ensemble de nos travailleurs et de notre population et de nous garantir que nous allons garder le contrôle sur les moyens de produire une fabuleuse richesse. Merci beaucoup. Nos membres sont en lock-out depuis le 6 août, 4 mois. Ils travaillent pour un employeur qui méprise ses employés et le syndicat, qui a comme unique but de vouloir casser le syndicat, et ce, depuis le début de l'accréditation, 10 ans. Il les a mis en lock-out après 4 jours de négociations, pas 4 mois, 4 jours de négociations, et nous dit qu'il n'y avait pas d'autre choix après seulement 4 jours. Arrogant jusqu'au bout des ongles. Yvan Vernier, le président. Bonjour, merci. Là, ils essayent de nous achever. Ils pognent les plus faibles dans nous autres. Ils veulent les détruire. Nous autres, il y a une chose qu'on comprend présentement, c'est qu'on va unir nos faiblesses pour en faire une force. On lâchera pas. On va se battre jusqu'au bout, puis on va gagner. Merci. Pour vous faire un petit historique, Prysmian est une compagnie de câbles électriques.
située dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, syndiquée avec le syndicat des métallos depuis près de 60 ans. Ça a toujours bien été dans les relations de travail du temps où la compagnie s'appelait Pirelli, compagnie familiale qui a toujours pris soin de bien traiter ses employés. Le 24 octobre 2009, les gens en Assemblée générale ont décidé de rejeter les dernières offres de la compagnie à 98%, sachant très bien que cette compagnie-là était pour fermer à coup sûr. Il faut comprendre que ces gens-là se sont dit depuis le début du conflit, s'il y a une balle à prendre, on va la prendre debout. Malheureusement, cette balle-là a été tirée par l'employeur. L'usine a fermé ses portes. Mais je suis fier de représenter ces travailleurs-là qui se sont tenus debout contre une compagnie américaine, une compagnie qui vient du sud des États-Unis et qui n'ont pas nécessairement la même mentalité que nous. Donc, je remercie la FTQ pour la belle solidarité. Merci. Aujourd'hui, c'est le 676e jour d'un lockout qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ça fait 676 jours que 253 travailleurs ont été mis à la rue, que leurs familles souffrent évidemment d'un manque à gagner important, souffrent d'un manque d'assurance collective et en prime, ça fait presque deux ans qu'on n'a pas cotisé à nos fonds de retraite. Donc, je peux vous dire tout de suite que notre avenir, non seulement le présent, mais l'avenir aussi, est largement hypothéqué. Alors, oui, c'est le 14e lockout en 15 ans. C'est beaucoup de gens de chez vous qui ont passé par là, des gens de Vidéotron pendant un an, nos pressiers pendant 20 semaines, excusez, les gars du Journal de Québec pendant 16 mois. Tout ça de la même façon, tout ça toujours sans aucun respect pour les travailleurs. Alors, on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin du mouvement syndical en entier. C'est facile, il faut juste aller s'inscrire sur le site de la CSN. Je sais que c'est pas... juste aller s'inscrire et être avec nous samedi prochain à la Grande Marche qui va nous amener devant le journal où on va pouvoir... enfin, dénoncer tous ensemble, non seulement un employeur qui ne respecte pas ses employés, mais la montée de la droite au Québec. J'ai eu un cadeau en rentrant ici, je vais l'apporter fièrement. Merci beaucoup. J'ai avec moi les travailleurs qui, à partir de demain, vont être des chômeurs, donc qui se retrouvent sans emploi, malheureusement, à cause d'une compagnie qui, pour faire plus de profit, décide de mettre le monde à pied et tout simplement pour une question de profit. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Et il faut se rappeler que cette compagnie-là, qui a trahi les employés en ne voulant pas vendre la raffinée alors qu'elle a fait à croire à tout le monde qu'elle voulait vendre, qui abandonne les travailleurs au moment où elle les met à pied parce que Shell refuse de négocier avec nous, ce qui fait en sorte que les travailleurs qui sont mis à pied à partir de demain ne peuvent pas toucher aucune indemnité de cessation d'emploi avant 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois de temps, les travailleurs n'auront aucun revenu. Et ça, c'est de la faute que Shell ne veut pas négocier avec nous et refuse de s'asseoir à la table pour négocier. Je vous remercie de votre accueil. Merci.